Eh bien, salut à tous, c'est Surprendre. On se retrouve pour le résultat de WWE Raw. C'est parti pour le résultat. Donc, on commence avec Brock Lesnar et Paul Heyman, donc, pour débuter le show. Donc, qui prend le micro, il rappelle qu'à WrestleMania, son client s'est débarrassé de Roman Reigns dans une bataille féroce. Mais c'était sans compter le dégoûtant Seth Rollins, comme il a dit. Dégoûtant Seth Rollins, c'est sa valise Money in the Bank qui a coûté le titre à Brock Lesnar selon Paul Heyman. Paul Heyman ajoute qu'il pourrait porter l'affaire en justice, mais au fait qu'il invoque la clause du rematch, tout de suite, il veut Brock Lesnar veut la revanche tout de suite face à Seth Rollins. Il ne veut pas attendre SummerSlam, Extreme Rules ou le prochain WrestleMania, il dit qu'il veut tout de suite. Et donc ensuite, Stephanie débarque et elle rappelle en tant que champion, Seth Rollins a dû participer à un show à New York et il sera de retour que plus tard dans la soirée. Stephanie ajoute qu'à ce moment, Seth Rollins se fera certainement plaisir de défier Brock Lesnar. Ensuite, passons au premier match de la soirée. Donc le premier match pour le titre intercontinental qui oppose Daniel Bryan, le champion, face à Dolph Ziggler. Donc première défense de titre pour Daniel Bryan après sa victoire à WrestleMania. Donc voilà, ça a été un beau match entre Daniel Bryan et Ziggler. Donc une rivalité qui va commencer pour cette année, donc qui va aller un peu plus loin, je crois. Donc ça va durer quand même un moment, je crois, cette rivalité. Donc le dernier match qui a opposé les deux, c'était je crois la semaine dernière à Raw. Donc c'était Dolph Ziggler qui avait remporté le match, et cette fois-ci c'est Daniel Bryan qui bat Dolph Ziggler et qui conserve son titre. Donc ensuite il y a Magnus Barrel qui est intervenu dans le match, donc il a mis KO les deux. Et au moment où il allait les mettre, et là Sheamus débarque, donc Sheamus qui fait son retour est venu les sauver, mais à la fin il les a attaqués, donc il a mis un bro kick à Daniel Bryan et Dolph Ziggler. Donc voilà, Sheamus est de retour avec un nouveau look, hein, et maintenant il a une grande crête et voilà, il a une... Moi j'aime pas trop son nouveau look, il a une crête bizarre, donc voilà, Sheamus est de retour. Ensuite, passons au match suivant. New Day et Lucha Dragon contre l'Ascension, Tyson Kidd et Cesaro, donc un tag team 4 contre 4. Donc voilà, magnifique match. Et c'est les New Day et les Lucha Dragon qui remportent le match face à l'Ascension et Cesaro, Tyson Kidd. Ensuite, passons au match pour le titre de la WWE des poids lourds, donc Brock Lesnar contre Seth Rollins. Donc Seth Rollins a donné le match à Brock Lesnar, donc voilà, ils sont venus, Seth Rollins et tout, allait commencer le match. Mais le match n'aura pas lieu, juste avant, Seth Rollins a dit qu'il souffrait du décalage horaire et tout ça, qu'il avait mal à la jambe et tout ça, il ajoute que le match aura lieu plus tard. Avant de prendre la fuite, Seth Rollins s'est fait attaquer par Brock Lesnar qui a pété un plomb parce que lui il voulait le match et tout ça. Et Brock Lesnar a attaqué Seth Rollins. Donc, il a attaqué Seth Rollins et JD Security, mais Seth Rollins a réussi à se sauver. Donc il s'en est pris à Booker T et JBL. Donc voilà. Donc JD Security s'est fait avoir. Donc ensuite il s'est attaqué à Michael Cole en le montant sur le ring et en lui apportant un F5. Ensuite, il s'en est pris au caméraman, donc le caméraman qui était sur le ring, donc il l'a pris et allait lui porter un F5, et là, Stéphanie débarque et lui dit « Non, relâche-le. » Qu'elle le supplie qu'il arrête pour dire « Allez, t'auras ton rematch et tout. » Brock Lesnar n'a pas écouté à porter les F5 sur le caméraman, donc Stéphanie a annoncé que Brock Lesnar est suspendu indéfiniment. Donc voilà, il sort de quitte le ring, quitte l'arène. Donc Brock Lesnar qui a pété à plomb, il était furieux. Donc il est suspendu indéfiniment, on sait pas combien de temps il est suspendu. Peut-être une semaine, peut-être un mois, on sait pas, on verra cela. Ensuite, passons au match suivant. Donc Stardust contre Miss Dow. Donc comme vous savez, Miss Dow a trahi le Miss, donc maintenant il est tout seul. Donc voilà, ça a été un match rapide, victoire de Damien Mizdow
Donc voilà, dans ce match contre Stardust. Et à l'issue du match, le Miz a débarqué et a mis KO Miz Dow. Donc voilà, pour l'avoir éliminé de la bataille royale en mémoire de André le Géant WrestleMania. Donc voilà, le Miz s'est un peu vengé. Donc maintenant c'est fini. Cette équipe est finie, je crois. Ouais. Ensuite, match suivant. Curtis Axel donc, contre Adrian Neville. Donc Adrian Neville, si je me trompe pas, il fait ses débuts dans le main roster. Donc voilà, il a fait un magnifique match face à Curtis Axel. Bah, bien sûr, a porté son finish à la fin et a remporté le match face à Curtis Axel. Donc si c'est les débuts de Adrian Neville, si je me trompe pas, bah, bon début pour lui. Ensuite, passons à John Cena qui est venu parler. Voilà, il a enfin ramené le titre des États-Unis à la maison. Et il est venu défier quelqu'un qui voulait l'affronter pour le titre. Et c'est Dean Ambrose qui a répondu, ce qui a lancé un match directement. Donc voilà, Dean Ambrose contre John Cena. Donc un magnifique, magnifique match entre les deux. Dean Ambrose qui a raté sa chance à WrestleMania. Donc il était dans le ladder match pour le titre intercontinental et il n'a pas eu la chance de le remporter. Voilà, lui, il a fini KO parce qu'il avait passé à travers une échelle et sa tête était ouverte et tout ça, donc il a passé un sale match à WrestleMania. Donc pour parler de ce match, donc ça a été un magnifique magnifique match entre les deux. Donc Dean Ambrose a failli battre Cena, mais John Cena à la fin a porté son double A et a remporté le match. Donc voilà, John Cena reste champion des États-Unis. Il a prouvé que qui va garder ce titre donc pendant un moment. Donc on verra est-ce qu'il va donner sa revanche à Rousseff ou est-ce que ça va changer. On verra cela. On verra. Ensuite, passons au match suivant. Le septième match, Edgely Page et Noemi contre Natalia et les Bellatrix dans un 3 contre 3. Donc voilà, un rematch un peu de WrestleMania avec Naomi et Natalia qui sont intégrés dans le match. Donc c'était à WrestleMania, c'est Edgely et Paige qui avaient remporté le match face à Bella Twin. Donc beau match aussi, belle performance de Noemi donc qui a fini le match face à Nikki Bella. Donc et qui a remporté le match à la suite. Donc voilà, Noemi, Paige, Edgely remportent le match. Ensuite, passons au match suivant, donc Rusev contre Goldust. Donc voilà, c'est un match simple, un match rapide. Donc un peu pour Rusev ce match, hein, puisqu'il a remporté directement le match après. Comment ça va se passer, Rusev, maintenant qu'il est plus champion? Et Lana n'est plus avec lui pour l'instant. Je sais pas si leur duo est fini, on verra. On verra par la suite. Et ensuite, passons au main event de WWE Raw. Donc un 3 contre 3. Donc dans les coulisses, Seth Rollins avait été interviewé par René Young. Voilà, lui il parlait et Ryback Randy Orton est intervenu. Donc est venu aussi parler à Seth Rollins pour lui dire que qu'il aura des ennemis face à lui, hein. Pour le dire qu'il va pas rester champion longtemps et tout ça. Donc Seth Rollins lui a dit de se trouver une équipe parce qu'ils vont faire un match et que Seth Rollins a Jack Kane et Big Show avec lui. Donc voilà. Donc c'était Ryback et Roman Reigns qui sont venus avec Randy Orton pour faire l'équipe. Donc voilà, c'était un beau match et c'est Ryback, Roman Reigns et Randy Orton qui remportent le match face à Seth Rollins, Kane et Big Show. Donc voilà pour ça, pour terminer le show. Ensuite, on apprend que Sting va parler après les caméras. Donc voilà, sur WWE Network. Donc le Sting qui est venu parler de son futur. Donc voilà, il a dit qu'il serait là si la WWE lui donne quelque chose, lui donne une opportunité. Donc voilà. Donc ensuite, Bo Dallas est venu parler au Sting. Donc il lui a porté son finish. Donc voilà pour ça, on verra si Sting fera son retour.
Ensuite, vous pouvez, passons aux news, vous pouvez suivre notre site de catch, donc Catch Actu. Vous pouvez maintenant le suivre sur Facebook et Twitter, donc vous allez juste taper à taper Catch Actu. Donc là, vous trouverez le site, donc je mettrai de toute façon les liens dans la description. Donc voilà. Donc je parlais du Stings, donc il a dit qu'il serait là si on lui donne quelque chose. Donc voilà, je ne crois pas qu'il sera de retour avant un moment. Parce que le seul match qui avait été prévu, ce serait contre l'Undertaker l'année prochaine. Mais on sait jamais, on peut peut-être lui donner un match à SummerSlam ou comme ça. Donc il peut venir dans les gros événements Stings. Donc voilà, on verra qu'est-ce qui se passera. Donc pour en revenir aux news, Brock Lesnar a été suspendu. En effet, donc Brock Lesnar avait tout cassé, donc comme il n'a pas obtenu son match, sa revanche contre Seth Rollins de colère, il s'en est pris à la sécurité au commentateur. Donc Stéphanie l'a suspendu après Raw suite à la story. Brock Lesnar aurait immédiatement quitté San Jose, donc la ville où ils étaient. Lesnar a pris un vol privé pour Minnesota afin de rentrer chez lui. Quant à l'état de santé de Michael Cole, le site a annoncé qu'il a subi une blessure. Donc voilà, il a été transporté à l'hôpital. Et Michael Cole a une possible fracture au cervical. Donc Brock Lesnar, je crois qu'il va pas venir maintenant, je crois. On verra qu'est-ce qui se passera. Donc comme vous avez pu le voir, Sheamus a fait son retour cette nuit à Raw, donc il a abordé un nouveau look. Comme vous avez pu le voir, il est intervenu dans le match. Donc voilà, c'est tout pour les news. J'espère que vous appréciez mes résultats et mes news. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, commenter, partager, comme vous voulez, voilà. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de mes amis. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour les résultats de WWE SmackDown. Allez, salut !